Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo moo here, moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With an oink oink here, an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a duck, E-I-E-I-O. With a quack quack here, a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a woof woof here, a woof woof there, here a woof, there a woof, everywhere a woof woof. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. With a moo-moo here, oink-oink there, quack-quack there, woof-woof there, Old MacDonald had a farm. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And there's a party on that farm, E-I-E-I-O. With a moo-moo here, oink-oink there, quack-quack here, woof-woof there, Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Bop-bop-bop, Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Livre. Ah oui, un livre avec des dessins. C'est bien. Balle. Ah oui, une balle. C'est bien. Poisson. Exactement, c'est bien un poisson. Arbre. Oui, c'est un arbre. Excellent. Tu es très doué pour reconnaître les choses. Oh. Qu'y a-t-il? Ah, j'ai compris. Tu ne sais pas ce que c'est. Je vais te donner un indice. Ça galope et ça crie. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo ce qui est représenté sur cette image. Un cheval. C'est un cheval sur le dessin. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un cheval? Eh bien, les chevaux sont des animaux assez grands qui mangent de l'herbe et qui parlent comme ça. Écoute. Ils courent très vite, aussi vite qu'une voiture. Les chevaux sont aussi très costauds et musclés, et ce sont de magnifiques animaux. Et les gens peuvent même monter dessus. Imagine ce qui se passerait si tu montais dessus. Vas-y, imagine. Sur cheval. Moi. Cheval, 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 moi, cheval, moi, cheval, 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 moi, cheval, moi, cheval, 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 cheval. Ah non, ce sont juste Ellie et Pato. Dis-leur bonjour, Pocoyo. Cheval, moi, cheval, cheval, moi, cheval, 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 moi, cheval, cheval, monter cheval, moi, cheval, moi. Apparemment, cheval, Pocoyo a très envie cheval, de monter à cheval. Cheval. Il ne pense cheval, qu'à ça. Moi, monter. Vous n'auriez cheval, pas un cheval, cheval par hasard. Monter cheval. Ils ne peuvent pas t'aider, Pocoyo. Ils n'ont pas de cheval. Ah si. Regardez. Chut. Cheval. Cheval. Trouvez cheval.
Cheval, 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 cheval. Stop! Petite chenille, bébé oiseau, Pocoyo veut dessiner des chevaux. Il n'a pas le temps de jouer avec vous. Cheval, 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 cheval. Tiens, tiens, quatre pattes. S'il vous plaît, les enfants, dites-nous si vous croyez que c'est un cheval. Non, c'est un chien, c'est Lula. Cheval, 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 cheval. 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 Pocoyo, s'il te plaît, arrête cette comédie. Il n'y a pas de chevaux par ici. Écoute, si ça ne tenait qu'à moi, tu aurais une centaine de chevaux. Il y en aurait partout. Tu ne verrais plus que ça, des chevaux et encore des chevaux. Mais ici, nous sommes dans le monde de Pocoyo. Il n'y a pas de chevaux. Cheval. Ça. Pourquoi veux-tu prendre son chapeau? Cheval. Oh, oui, je vois. Pour pouvoir crier cheval encore plus fort. Calme-toi. Le message n'est pas passé. Je n'y peux rien. Cheval, cheval, cheval. Oh là là. Qu'allons-nous faire pour le calmer? Ah, tu as une idée, Ellie? Cheval. Ah, mais qui est-il? Ça alors. Quelqu'un a fabriqué un cheval rien que pour toi. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo qui a fabriqué ce magnifique cheval. Pato et Ellie. Pato et Ellie, oui. Cheval, Pocoyo, cheval, écoute, cheval. Tu entends? C'est très rare comme bruit, écoute bien. Cheval? Ah non, ce n'est pas un cheval. C'est le bruit que fait une éléphante quand elle pleure. Elle voulait simplement que tu sois content. Si tu veux mon avis, tu n'as pas été gentil avec elle. Pour toi. Pardon, Pato. Cheval. Ah non. Oh ben, non, non, tu ne vas pas recommencer. Ça suffit, cette petite comédie. Non. Moi, veux cheval de Ellie et Pato. Ah, formidable! Un grand bravo pour Pocoyo et un autre pour les faux chevaux! Au galop! Et à bientôt! Maman Poule. Bonjour Pocoyo! Bonjour! Tu fais une promenade? Oh, des œufs de poule! C'est curieux! Je me demande où est passée leur maman. Oh, 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 c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais leur maman n'est toujours pas revenue. Il faut que quelqu'un veille sur eux jusqu'à son retour. Tu crois que tu en es capable? Oui, Pocoyo va veiller sur eux. Ne les laisse pas partir, Pocoyo. Suis-les. Ah, tu devrais peut-être leur apprendre à se percher. Bravo, Pocoyo. Thank you.
Je crois que tu as besoin d'aide, Pocoyo. Peut-être que Pato pourra te conseiller. Non, pas Pato. Ellie va aider Pocoyo. Ellie, mais oui, tu as raison. Elle fera une super maman. Ellie, tu veux bien aider Pocoyo à veiller sur ses poussins? Vous avez vu? J'ai l'impression que quelqu'un sait se faire obéir au doigt et à l'œil. Mais qui est-ce? C'est Pato. Quelle surprise! Tu es plus doué qu'on ne pensait pour jouer les mamans poules, Pato. Bravo! Tu leur as appris à se percher. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre d'autre? À voler? Mais les poussins ne volent pas, voyons. Incroyable! Tu es vraiment fait pour élever des poussins. Eh bien, tu me surprendras toujours, Pato. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre encore? Oh non, les poussins ont disparu, Pato. Où sont-ils? Ah, ouf, ils ont enfin retrouvé leur maman. Mais oui, Pato, c'est normal. Leur place est auprès de leur mère. Oh là là, tu as l'air bien fatigué. Et voilà, Pato, repose-toi bien. Eh bien, on dirait que tes nouveaux amis ne veulent plus te quitter. Ils sont adorables. Bonne nuit, Pato. Au revoir, les amis. Et à bientôt. La Maison Rose. Bonjour, Ellie. Qu'est-ce que tu fais? Tu repeins ta maison. Bien sûr, tu la peins en rose. Le rose est une jolie couleur. Oui, une très jolie couleur. Non, pardon, je voulais dire la plus belle couleur du monde. La plus belle de tout l'univers. Bonjour Pocoyo. Bonjour Pato. Bonjour. Ellie n'a pas encore fini de peindre sa maison. Peut-être que vous pourriez l'aider. Peindre. Je
je crois que... Peut-être que... Oui, Ellie aimerait beaucoup que vous l'aidiez. Peindre. Eh bien, Ellie, ta maison est vraiment très rose. Quoi, qu'y a-t-il ? Tiens, Pocoyo, un pot de peinture rose. Pato, j'ai peur qu'Ellie n'aime pas la couleur que tu as choisie. Ellie insiste. Elle veut que tu peignes la maison en rose. Non, bleu. Tu as vu, Ellie? Pato a peint ton portrait sur le mur. Mais Ellie, ce n'est pas une mauvaise idée de mettre d'autres couleurs. Toi tout rose, Ellie, tu es sûre? Mais Pocoyo! Oh non, Pato, arrête! Écoutez, les amis, vous devriez peut-être... Arrêtez tous les trois, calmez-vous. Mais calmez-vous! Si vous n'arrêtez pas de vous chamailler, jamais vous ne trouverez de solution. Regardez-moi cette pagaille. Excellente idée, Ellie. Chacun de vous va peindre une partie de la maison. C'est beaucoup mieux comme ça. À présent, la maison est vraiment magnifique. Au revoir et à bientôt, les amis. La danse des puces. Bonjour, Pocoyo. Bonjour, Nina. Bonjour. Oh, excuse-moi, Lula. Bonjour à toi aussi.
non, Pocoyo. Lula n'est pas en train de danser. Elle se gratte. Mais pourquoi se gratte-t-elle? Ah, Nina, tu sais quel est le problème de Lula? Oh, je vois. Tu as des puces, Lula. C'est pour ça que tu te grattes. Ma pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Sont en train de faire la fête. Elle danse. C'est ce qui donne envie à Lula de se gratter. Ça la démange tellement qu'elle est obligée de se gratter. Bravo, Nina! Maintenant, les puces font un massage relaxant à Lula au lieu de lui donner envie de se gratter. Vous avez réussi, les amis. Tout le monde a eu droit à un massage et les puces peuvent continuer à danser autant qu'elles veulent. Camping à la montagne. Oh. Oh. Bonjour, Patou.
bien, quelle chaleur terrible aujourd'hui. Tu as raison, Pocoyo. Vous devriez aller vous réfugier dans un endroit frais comme... à la montagne, par exemple. Pato, je crois que tu es le mieux placé pour diriger cette excursion. D'ailleurs, je vois que tu es très bien équipé. Ça y est, me voilà enfin arrivé au sommet. Quelle vue incroyable! Ah, te voilà enfin, Pato. Ce n'est pas trop tôt. Dépêche-toi de planter ta tente comme Pocoyo et Nina. Ah, voilà les piquets de la tente. Mais ce sont des clubs de golf. Je crois que tu t'es trompé de sac, mon pauvre Pato. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que Pocoyo et Nina vont trouver une solution. Thank you.
Regarde, Pato, un cadeau pour toi. C'est magique, n'est-ce pas? Finalement, c'est formidable de camper à la montagne, pas vrai? Bonne nuit, les amis, et à bientôt. Une journée à la plage. Bonjour, Ellie. Où vas-tu? À la plage? Ah, tu vas passer la journée au calme, toute seule. Oui, ça va être très reposant. Oh, regarde, c'est Pato. Ellie, je crois que Pato aimerait bien t'accompagner à la plage. Qu'est-ce que tu dis, Pato? Tu veux bien conduire? Oh, c'est très gentil à toi. Qu'en penses-tu, Ellie? Du calme, Pato. Ellie voudrait passer une journée tranquille. Ah, voilà qui est mieux. Tu veux bien emmener Nina et Roberto, Ellie? Papa, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas, Ellie? C'est parti, tout le monde va à la plage. Qu'y a-t-il, Nina? Ça ne va pas? Oh, j'ai compris. Oh. Pato, tu ferais mieux de t'arrêter. Toi aussi, Pocoyo? Oh, d'accord. Il ne manquait plus que ça. De quel côté est la plage? Par là! Ah oui, c'est une excellente idée, Ellie. Peut-être qu'il pourra nous indiquer la route de la plage. Mais nous sommes revenus au même endroit.
Oh non, encore. Soleil, on va bien s'amuser. Alors Ellie, il n'y a rien de plus agréable que de partager un bon moment avec ses amis, n'est-ce pas? Même si vous avez eu du mal à trouver la plage. Au revoir et à bientôt. Bonjour Pocoyo. Bonjour. Bonjour Ellie. Bonjour Pato. Mais d'où vient ce bruit? Oh, je vois. Pato avait mis son réveil à sonner. Tiens, c'est bizarre. Tu fais ta valise? On peut savoir où tu vas, Pato. Ah, tu vas rendre visite à tes amis Fred et la baleine qui vivent sous l'eau. Tu vas bien t'amuser. Bonne idée. Là où tu vas, tu risques d'en avoir besoin. Vous vous demandez sûrement où va Pato. S'il vous plaît, les enfants, voulez-vous bien dire à Ellie et à Pocoyo où va leur ami Pato? Rendre visite à Fred et à la baleine. Il va aller sous l'eau. Au revoir, Pato. Amuse-toi bien. Jouer avec de bons amis au fond de la mer, qu'est-ce qui pourrait être plus amusant que ça? Mais qu'est-ce que... Oh! Une balle. Excellente idée. Vous allez jouer à attraper la balle. Oh, 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 oh. C'est difficile de jouer à la balle dans l'eau. Attention. Tous tes jouets sont en train de flotter et de s'éloigner. Avec quoi vas-tu jouer maintenant? Ah, ta trompette! Ça devrait être amusant. Oh, quel drôle de son! Apparemment, l'eau et la trompette ne vont pas bien ensemble. Regarde, ça tu devrais pouvoir le faire partager à tes amis. C'est une bande dessinée. Oh non, l'eau a mélangé les couleurs. Pato, comme c'est drôle. Tu n'arrives même pas à piquer une grosse colère. L'eau ralentit tes mouvements. Malheureusement, j'ai l'impression que Pato ne s'amuse pas autant qu'il l'avait prévu. Il n'y a rien de tel qu'un bon repas pour retrouver le sourire. Ah! Oh! Oui, c'est plutôt intéressant comme plat. Des spaghettis faits avec des algues, c'est bien ça. Pato aimerait savoir si vous voulez goûter, les enfants. Non, merci. Mange-les, toi. Moi non plus. Non, merci. Non, vraiment, j'ai mangé avant de venir. Tu vas devoir te forcer, mon petit Pato.
Oui, c'est bien. Bravo. Quoi? Tu ne vas pas partir maintenant. Il est tôt. Tu es déçu parce que tu n'as pas pu utiliser tes jouets, c'est ça. Et tu n'aimes pas la nourriture que l'on sert ici. Tu as envie de rentrer chez toi. C'est normal. Apparemment, la baleine veut t'emmener faire une promenade avant que tu ne partes. Elle veut juste te montrer à quel point ça peut être amusant de vivre sous l'eau. Oh là là, oui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça très amusant. Et il y a autre chose que la baleine aimerait te montrer avant que tu ne t'en ailles. Oh, une bulle géante! Regarde ça! Tu peux jouer à la balle à l'intérieur, exactement comme là-haut. Qu'est-ce que c'est? Oh, des éponges! Un trampoline d'éponge! Que c'est drôle! J'ai l'impression que notre ami Pato passe un très bon moment. Qu'en pensez-vous, les enfants? Vous trouvez que Pato s'amuse au fond de la mer? Oui, il s'amuse! Il adore être là! Tiens, qu'est-ce que c'est? Un coquillage géant. Qu'y a-t-il à l'intérieur? C'est Ellie et Pocoyo. C'est important de prendre le temps de s'habituer aux nouvelles choses. Un grand bravo pour nos amis sous-marins. Au revoir, à très bientôt. Oh, bonjour Pocoyo. Bonjour Lula. Bonjour. Dis-moi Pocoyo, qu'est-ce que tu as? Ah, je vois. Tu t'es fait un nouvel ami, c'est ça? Sais-tu comment s'appelle cette magnifique créature? Vous ne pourriez pas l'aider un petit peu, les enfants? Dites à Pocoyo comment s'appelle ce joli petit insecte. C'est un papillon. Papillon? En effet, c'est exact. C'est bien un papillon. Papillon! Oh, notre ami papillon ne reste pas en place. Papillon! 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 Oh, attends, Pocoyo, tu ferais peut-être mieux de... Papillon! Comme je voulais te l'expliquer tout à l'heure, ce serait sûrement plus facile si tu... Pocoyo! Pocoyo, attends! Il vaudrait mieux que... Papillon! Ah, Pato est en train de faire sa gymnastique, à ce que je vois. Pocoyo, si tu veux un conseil, tu ferais mieux d'être un petit peu moins... Papillon! Papillon! Bruyant. Mais où est passé notre ami canard? Pato? Ah, tu es là, je te cherchais. Le papillon est parti par là. Vas-y, allons voir où il est allé cette fois. Je suis sûr qu'il n'est pas très loin.
Oh, voici Ellie qui fait une petite sieste dans son hamac, comme je l'envie. Pocoyo, et si je peux te donner un petit conseil? Sais-tu pourquoi Dodo l'oiseau vient de te dire chut? Et vous les enfants, vous pouvez expliquer à Pocoyo pourquoi Dodo l'oiseau lui a dit chut? C'est très important. Moins de bruit! Fais moins de bruit! Chut! Tu as tout compris. Bien joué, Pocoyo. Chut, ça veut dire fais moins de bruit. C'est une très bonne idée, en effet. D'ailleurs, c'est le conseil que je voulais te donner tout à l'heure quand tu es parti à la poursuite du papillon. Oh, pardon. Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que les papillons ont très peur du bruit. Tu comprends? C'est parfait. Faites le moins de bruit possible. De cette façon, vous ne ferez pas peur aux papillons. C'est bien. Un grand bravo pour Pocoyo. Oh, pardon. C'est vrai, j'oubliais. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Bonjour Pocoyo, je peux savoir ce que tu fais? Pas de problème, j'attends. Oui! Oh, tu as fait un dessin. Je te félicite, il est très joli. Dites-moi les enfants, vous pouvez nous dire le nom de cet animal? C'est une baleine. Laisse-moi deviner. Ah, c'est un dessin pour une baleine. Une minute, ce ne serait pas l'anniversaire de la baleine aujourd'hui? Et tu es invité à sa fête d'anniversaire. Ellie, tu vas apporter un cadeau pour la baleine quand tu iras à la fête? Un ballon, très bonne idée. Pas facile pour attacher la ficelle, hein? Bien joué, Pocoyo. Bravo. Je me demande si notre amie baleine réussira à deviner ce que c'est. Pato. Allons voir quelle surprise Pato prépare pour la baleine.
Il est magnifique ce gâteau. Bravo, Pato. Et si vous voulez mon avis, la baleine va adorer ses cadeaux. Vous l'avez gâté. Baleine! Oh, c'est terrible. On aurait dit le bruit d'un ballon qui éclate. Oh, zut. Ce n'est pas de chance. Heureusement, on a toujours le dessin de Pocoyo et le gâteau de Pato. Comme il est joli, ce poisson. Pato, je crois que tu as perdu quelque chose. Ton gâteau. Mon petit doigt me dit que c'est le joli poisson qu'il a avalé tout à l'heure. Heureusement, vous avez toujours le merveilleux dessin de Pocoyo. Oh, mais c'est notre ami baleine. On a fait un long chemin pour venir te voir, tu sais. Et nos amis ont travaillé dur pour te préparer des surprises. Ellie avait l'intention de t'offrir un adorable petit ballon. Malheureusement, il a éclaté pendant le trajet. Ce n'est pas de chance. Pato, lui, t'avait préparé un délicieux gâteau au chocolat et au citron. Malheureusement, un petit poisson l'a mangé alors qu'il était en train de te l'apporter. Heureusement, il reste un cadeau que l'on va pouvoir te donner. Pocoyo t'a fait un très beau dessin et je suis sûr que tu vas l'adorer. Oh non! L'eau a effacé la peinture. Décidément, ce n'est pas notre jour de chance. Quel dommage! Plus de ballons, plus de gâteaux et plus de dessins. Regardez, la baleine est heureuse quand même. Ce n'est pas grave si elle n'a pas son ballon, ni son gâteau, ni son dessin. Vous avez compris, les enfants. Expliquez à Pocoyo, à Pato et à Ellie pourquoi la baleine est si contente. Quel est le cadeau qui lui fait le plus plaisir? Que ses amis soient venus pour elle. Exactement. Ce qui compte pour la baleine, c'est que Pocoyo, Pato et Ellie soient là, car le plus beau cadeau de la Terre, c'est l'amitié. Alors un grand bravo pour Pocoyo et ses amis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tiens, voilà Lula. Bonjour, Lula. Oh. J'aimerais bien savoir ce qu'elle regarde. Elle m'a l'air bien excitée, vous ne trouvez pas? Oh, regardez, une bulle. C'est donc ça qu'elle attendait. Attention, Lula, tu risques de... la faire éclater. Quel dommage. C'est très facile de faire éclater une bulle. Au-dessus de toi, Lula, vite! Mmh.
Tu sais, si on voit autant de bulles, c'est qu'il y a quelqu'un pas trop loin d'ici qui s'amuse à les faire. Dites-moi les enfants, savez-vous qui fait toutes ces jolies petites bulles? C'est Pocoyo! Oh, mais oui! Regardez, c'est Pocoyo. Et il y a Ellie aussi. Bonjour Pocoyo, bonjour Ellie. Bonjour! Alors comme ça, c'est toi qui fais des bulles. Des bulles! Peux-tu nous montrer comment tu fais? Ah, d'accord. Donc, tu plonges la baguette dans le liquide savonneux et ensuite, tu souffles et ça fait une bulle. C'est formidable. Des bulles! Ellie aimerait bien en faire elle aussi. Oh, comme c'est joli, toutes ces bulles. Vous ne trouvez pas? Elle est énorme, celle-ci. Félicitations, Ellie. Oh! Des bulles! Ha ha! Bravo, Pocoyo! Allons les amis, calmez-vous, vous allez tout casser. Oh, c'est malin. On s'amusait bien et vous avez tout gâché. La pauvre Lula, elle aimerait bien continuer à jouer avec les bulles. Dis, tu ne peux pas faire de bulles pour faire plaisir à Lula? Non, pas de bulles. Et toi, Ellie, s'il te plaît, sois gentille, juste une toute petite bulle pour Lula. Lula est triste parce qu'elle ne peut plus jouer avec les bulles. C'est vraiment dommage. Vous préférez bouder dans votre coin? Ça ne sert à rien, Lula. Pocoyo et Ellie ne peuvent plus faire de bulles. Tu vois bien, ils sont fâchés. Bon, voyons un peu. Pocoyo ne peut pas faire de bulles car il lui manque le liquide savonneux. Et Ellie ne peut pas en faire non plus car elle n'a pas la baguette. S'il vous plaît, les enfants, vous voulez bien les aider? Dites-leur ce qu'ils doivent faire pour que Lula puisse jouer avec des bulles. Oh. Il faut qu'ils partagent. Qu'ils partagent. Oh. Bravo, les enfants, c'est une excellente idée. Voilà, vous êtes raisonnable. Une bulle! Oui, c'est très bien, Pocoyo. Et bravo à toi aussi, Ellie. C'est mieux de partager. Et vous voyez que c'est plus agréable de jouer ensemble. Je suis fière de vous. Ah, retenez bien la leçon. C'est mieux de s'amuser ensemble plutôt que de jouer dans son coin. La preuve, demandez à Lula. Un grand bravo pour Pocoyo et aussi pour Ellie. Et bien sûr pour Lula. Au revoir et à très bientôt.